très nul. Je sais pas ce qu'il fait, hein. Il a pas de, il a pris son Q au lieu du E. Il peut pas me zoner, hein. Là par contre ils vont passer deux. C'est pas dégueu, hein. C'est vraiment pas dégueu. Yes. C'est bien. C'est pas parce que tu respectes l'adversaire que tu gagnes pas la game. Non, 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 commence pas, commence pas, commence pas. Allez, me donner les couilles, fils de pute. J'ai pas de flash. Est-ce que je ferais pas genre... Non. On va pas faire ça. J'ai l'XP du canon. Dommage. Je peux vraiment pas m'approcher. Nice. C'est ok en vrai. Yumi a tellement bien joué. En vrai, elle a pas mal joué. Mais elle a pas incroyablement bien joué non plus, tu vois. C'était pas transcendant, en vrai. Mais de toute façon, à partir du moment où j'ai rien à dire sur mon support, genre. C'est dur. Trop fort ce champ. C'est vraiment trop fort. Trundle, c'est vraiment trop fort. Au moins la lane est bien. Allez, on va le full mute. Hop. Il est cringe à faire son toxic lane vraiment. L'état de la win est impeccable, genre. C'est vraiment pas problématique. C'est nice, ça freeze en plus. C'est nickel. Elle est contente la Tristana là.
Ouais, c'est... Faut faire extrêmement attention au combo, là. Ils peuvent pas freeze, c'est Tristana. Nice. Ça approche, c'est nickel. On a fait un cheat recall sur une wave canon. Je comprends pas la puissance de Trundle Sup, elle est complètement conne. C'est probablement un des sups les plus gros canatèmes. C'est vraiment beaucoup trop fort pour ce que c'est. Beaucoup trop fort. De 32 mid, on push. Ah ouais. Ah bon. Il joue bien en train de... Non, il est en train de solo carry la botlane. Je respecte parce que la Diana était encore botside tout à l'heure. Le chat est en train d'aller mid. Il le tue pas, hein. Diana a deux ult. Flash était peut-être en trop, ouais. Mais j'avais peur qu'elle flash out comme elle a fait là. Là, elle s'est fait condamne into air de Yumi. Et elle pouvait vraiment pas réagir et flash out. Hein. Énorme. C'est excellent. Je t'ai payé mine.
peu d'inanimate move canon, c'est incroyable. Faut pas que je disrespecte la Diana quoi, c'est tout. On retourne battre là-dessus. Ouais, la Diana est sur moi. Ah oui. Quoi? Pas avancer ce tour, c'est ça le problème. Ah mais par contre si Yumi vient pas, je peux pas jouer moi. Prenez les mains. Prenez les pas mains. Je pense honnêtement que le Tristana est autofilm. J'ai la T1 du coup. HP. Ça c'est painful. Flash c'est vite problème. J'ai d'avoir tapé la plupart de mes sons sont sur son pin dans le salon musique sur Discord. Ils sont pas tous tout le temps tu vois mais la plupart ils sont. Vérifier qu'il n'y a pas de pink. T'es souvent là à Tom's en ce moment, ça me dit. J'ai loupé un mêlée pour ça.
Nice. Oh là là, les deux. Loupe le canon. J'ai loupé un, mais des pour lui donner le canon. J'ai des yeux, merci. J'ai plus de médiana quand même, quand même. J'ai peur qu'il soit là. Cassons. Il vient vraiment de Gale Force Out là. Ouais, je crois qu'ils ont give up en face. Enfin, du moins, ils jouent pas aussi sérieux quoi. Scuttle. Il aime trop faire ça. Je peux pas vraiment expliquer pourquoi Trundle est OP, il y a trop de choses qui font qu'il est OP en fait. Il a déjà il a un CC qui consiste en cancel. En même temps qu'il a une AOE qui slow qui proc le mandate. Le tout en un spell qui a un CD aux alentours de 10 secondes. Ce qui est très faible pour un spell qui a autant d'impact, qui est l'équivalent de l'ulti de Leona en mieux. Et qui proc instantanément. Qui cancel les dash, c'est extrêmement. Enfin c'est complètement con. Tu peux t'en servir pour empêcher les Yumi de redash à l'intérieur de quelqu'un. Tu peux t'en servir pour empêcher les gems de Tristana. Tu peux t'en servir pour empêcher les dash de Lucian, les tumbles de Vayne. Tu peux t'en servir pour le mettre derrière quelqu'un justement pour que Vayne puisse condamner. Tu peux t'en servir pour bloquer des passages. Tu peux t'en servir pour empêcher quelqu'un de bouger littéralement si t'arrives à le coincer dans un mur. En termes d'utilité, c'est probablement des sorts les plus broken du jeu. Le deuxième truc étant le vol de stats qu'il est capable de faire. Qui est vraiment ridicule pour le coup. Que ce soit en termes défensifs ou offensifs. Voler l'AD d'un ADC en face de lane. Sachant qu'il a. C'est pas juste. Il t'enlève de l'AD. C'est il te vole de l'AD. C'est pas comme le W Tryndamere. C'est vraiment il t'enlève l'AD. Enfin, il te vole l'AD quoi. Ce déficit, d'autant plus qu'il joue le blade et qu'il a un reset d'auto, fait qu'il est imprenable en early. C'est vraiment un enfer. Deuxièmement, son ulti qui est aussi un vol de stats. Et son W qui est un stéroïde de stats aussi. Tout ça fait que c'est un mec c'est un perso qui peut très, très facilement se passer de d'items et de level en fait. À partir du moment où il a son
Ses stats de base de prêtre, il a pas besoin de plus, quoi. Donc c'est vraiment extrêmement fort à ce niveau-là. En un lit, c'est 24 secondes. Bah oui, parce que le sort est vraiment, vraiment trop puissant. Mais 24 secondes, ça passe vite en face de lane. 24 secondes, c'est le temps de céder moyen d'à peu près tous les dashs du jeu. 24 secondes en early, c'est le niveau 1 d'à peu près tous les jumps. Donc le E d'Ezreal, le dash de Lucian, le jump de Tristana. Il y en a vraiment énormément qui ont un short CD comme ça. Ah, tu vois, là on peut pas faire. T'as vu le temps que ça a deny ou pas? T'as vu la force du pilon ou pas? Et encore, ils ont très mal pris le fight, mais. C'est vraiment extrêmement con comme spell. Bien joué le pilar de Trundle, c'est le plus gros outil d'un V9 du jeu. By far, c'est même pas close les autres outils, vraiment. T'as la cage de Veigar aussi qui est phénoménale. Mais le pilar de Trundle, c'est instantané. Je peux pas forcer plus que ça. Genre. C'est vraiment ce qui rend le truc insane, c'est instantané. Instantané, et tu ne peux pas avoir de temps de réaction, c'est instantané. Il n'y a pas de counterplay en fait, c'est instantané. Le mur d'Anivia a une moins grande range. Alors oui dans un sens, mais ça, c'est pas la même range. Je pense faire Beoterk. Quoique, je vais quand même faire Winsen avant. En commençant par cette partie-là. Super bien joué. C'est trop con, tu vois. Genre, si tu mets bien le pilar, regarde, je peux pas passer. Non. Et du coup, tu crées des... Tu remodèles le terrain, en fait. C'est turbo con, vraiment. Et si tu fais pas attention à ça en tant qu'ADC, ta position est compromise. Et moi, à la limite, j'ai de la chance, tu vois, j'ai un Q. Mais t'as des ADC qui ont pas de vide repositionnement, ou même Syndra, tu vois. Syndra, elle se mange un pilar, elle est finie, genre. Et le pilar dure 5 ou 6 secondes, c'est vraiment vraiment con. Je considère vraiment Trundle comme un des meilleurs supports actuellement. Camille Fura le détruise. Ouais mais et alors en fait? Ce n'est pas une target focus en fait, c'est un support. Tu ne peux pas te dire ok ce fight là on va mettre notre DPS et focus down le Trundle, ça n'existe pas. Il a le Trundle plus fort que la Smoke de Graves, bien sûr. By far. C'est pas un... C'est pas un ADC gérable. Pas un ADC, tu m'as compris. J'ai oublié. LP. On a encore une MMR clean, hein, c'est ok.
Le top jungle, je trouve ça moins fort. Oui, là-dessus, je suis d'accord. Moi, je te parle de support.